organisation magnifique. Alors, les progrès de la chimie des lanthanides et des actinides ne sauraient être dissociés de ceux de la chimie théorique qui permettent de traiter les électrons F avec de plus en plus de précision. Et parmi tous les composés de ces éléments F, ceux de l'ion uranyle ont toujours intéressé les chimistes théoriciens, sans doute à cause de son apparente simplicité. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui que cette attention ne devrait pas faiblir avec la révélation de structures et de réactions jusqu'alors insoupçonnées. Alors, les complexes des actinyles ont toujours dominé la chimie des éléments 5F dans leur plus haut degré d'oxydation. L'ion UO2 de plus